Voilà, Africains, Africaines, aux Italiens, dit l'éléphant d'Afrique, vous salue. Je voudrais vraiment, à travers cette vidéo, remercier tous ceux-là qui m'encouragent et vraiment qui me soutiennent dans toutes mes actions. Voilà. Ce matin, je voudrais, voilà, m'adresser à toute la Côte d'Ivoire tout entière. Voilà. Aux Italiens, l'éléphant d'Afrique. Aujourd'hui, les gens m'appellent le moraliste. C'est bien, j'accepte. Voilà. Parce que moi, le Seigneur, voilà, la nature m'enseigne. Voilà. Et m'amène à voir les choses autrement. Voilà, celui-là qui va enseigner là, il n'a pas la même manière de voir les choses comme celui qu'on enseigne. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Vous comprenez? Donc, ne soyez pas surpris. Voilà, depuis même ce qui arrive actuellement à la Côte d'Ivoire, c'est vraiment, je pense que j'ai déjà prévenu, j'ai déjà parlé de ça depuis fort longtemps. J'ai prévenu les Ivoiriens. Aujourd'hui, je voudrais parler de la cherté de la vie. Et c'est un sujet qui est vraiment délicat. Et ce côté délicat là, il faudrait que je touche. Ce n'est pas en disant la vérité au gouvernement en place que moi, l'éléphant d'Afrique, que j'ai peur, non. Mais c'est la réalité que je vois à mes yeux. Sinon, la seule vérité que je dois dire dans cette vidéo est que le gouvernement diminue vraiment leur train de vie. Voilà, parce que la population paye beaucoup le prix. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait qu'ils diminuent leur train de vie. Voilà, la circulation doit diminuer. Parce que si aujourd'hui on doit payer le prix de la beauté d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, le prix de la valeur de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement la population qui va payer. Il faudrait que tout le monde paye ce prix-là. Donc, dans ce cas-là, ils doivent aussi diminuer leur train de vie. Ils doivent diminuer. Voilà. Et un ministre qui passe, derrière lui, il y a au moins près de combien de millions ou bien de milliards qui sont dépensés. Il faut que cela cesse. Voilà. Il faudrait que ça cesse. Aujourd'hui, vraiment, tout a flambé, tout a augmenté. Ce n'est pas le défaut de l'État. Voilà. Ce n'est pas le défaut de l'État. Mais il faudrait que tout le monde paye. Moi, l'éléphant d'Afrique, je n'accuse personne. Parce que je vois en réalité ce qui se passe. Celui-là qui est acteur de paix ne doit pas venir inciter à la haine. Parce que il faudrait qu'on se dise la vérité. On était ici, le système qui a vraiment fait sortir la population, c'est ce que ça donne. Mais un gouvernement qui est en place, qui est en train de travailler, moi je reconnais. Donc on ne peut pas soulever les chances contre ce gouvernement-là. Parce qu'il ne faisait rien. Et que les choses sont augmentées, mais il y a longtemps ça. Ça, c'est un petit problème. Mais les gens qui travaillent, ils n'ont pas suivi la population contre eux. Voilà. Mais ce que je peux leur dire là, ils n'ont qu'à diminuer leurs dépenses. La vie est devenue très chère, les gens n'arrivent pas à manger. Les salaires n'ont pas augmenté, mais les dépenses sont trop. Il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle. Il faudrait que les Ivoiriens se sentent au moins à l'aise dans ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc je ne peux pas soulever la population. Non, 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 non. Le gouvernement Ouattara est en train de travailler. Et tout ce qui est en train de se passer là, on sait que c'est un coût que tout le monde paye. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va travailler à ta place et puis toi, tu vas être heureux. Quand on dit dans la Côte d'Ivoire est jolie, c'est une fierté. Vous voyez un peu, quand on dit Paris est joli, les gens, les touristes vont regarder. Voilà, la tour Eiffel, leur long, je ne sais pas si c'est immeuble, mais l'homme habite, mais bah, tour Eiffel là, ça prend pas à quoi? Les Français ont payé le prix. C'est de ça qu'il s'agit. Les Français ont payé le prix. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire paye le prix de sa construction. Donc moi, je pense que c'est un truc qui va passer. Voilà. Aujourd'hui, les chantiers sont ouverts partout qui les payent. C'est nous qui payons. Mais il faudrait que tout le monde paye. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai ma soeur qui a demandé, vraiment, qui a fait une annonce. Moi, où je la soutiens, c'est du fait que les dépenses des ministres, leur train de vie doit diminuer là. Moi, je la soutiens. Et puis encore, libérer les prisonniers politiques, parce que vraiment c'est la paix. Voilà, les Ivoiriens doivent se rencontrer. Vraiment ça, je suis d'accord avec elle. Voilà. Mais le reste, vraiment, le gouvernement Ouattara est en train de travailler. Et moi, l'éléphant d'Afrique, je suis fier de son travail. Donc pour ce faire, je ne dois pas voilà, inciter à la haine ou bien voilà, voir la réalité et puis contourner parce que je n'ai pas pédé la personne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, 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 non. Non, 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 non. Les gens, c'est vrai, la vie est difficile, mais il va que les occupations. Je pense qu'on doit rester dans ça. Maintenant, ce qu'on doit dire au gouvernement, c'est de diminuer vraiment les trains de vie. Et puis, le pays est à l'aise, quoi. Moi, c'est pour que les Ivoiriens se sentent à l'aise dans ce qu'ils sont. C'est ça qui me plaît. Que moi, je veux vraiment, voilà, parler de ça. Donc, aujourd'hui, je vous salue. C'est la paix que je demande. La paix du cœur. La paix pour que les Ivoiriens puissent se regarder toujours. C'est ce que moi, l'éléphant d'Afrique, je demande. Aux Italiens, dit l'éléphant d'Afrique, le moraliste vous salue. Ciao!